Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel à quoi on joue hors série dédié aujourd'hui à Tanto Kure. Donc c'est un jeu de deck building, c'est un deck building game. Donc ça va te parler de jeux de cartes. Donc je vous mets vite fait l'intérieur, donc le livret de règles et les différentes cartes qui sont rangées et classées avec des séparateurs. Bien, tout était déjà fourni dans la boîte. Donc là, ça va être une des extensions qui peut se jouer en standalone. Donc ça va être le Romantic Vacation. Donc il faut savoir qu'il y a une boîte de base. Celle-ci, c'est une des extensions. Il y en a une autre, c'est Oktoberfest. Et la dernière, dont j'oublie l'intitulé. Mais voilà, il y en a un petit paquet. Il y en a 4, je crois, d'extensions. Une boîte de base et 3 extensions. Donc à la base, c'est un jeu japonais. Donc là, ça va être la version anglaise. Et le temps de mettre tout ça en place, et on se retrouve. Alors, maintenant que le terrain est en place, on va quand même regarder un peu avant les différents types de cartes. Donc, vous allez avoir les cartes amour. Donc, il y a 3 des échelles, 1 love, 2 love, et 3 love. C'est ce qui va vous permettre de payer les coûts d'emploi pour les différentes maids. Ensuite, vous allez avoir les Maid Chief. Maid Chief. Voilà. Donc ça va être des maids un petit peu plus particulières que vous pourrez pour gagner des points à côté. C'est celle qui rapporte le plus de points. C'est avec celle-ci qu'on commence dans son deck. Vous allez avoir ensuite toutes les autres maids, ce qu'on appelle les General Maid. Donc au-dessus, vous allez avoir le coup. Hop là, le coup, le nombre de points de victoire que ça rapporte, si ça peut vous faire piocher une carte ou pas, si ça peut vous faire employer une autre carte supplémentaire, enfin vous pouvez jouer plusieurs cartes made, si ça vous apporte des loves supplémentaires, et le dernier, donc j'oublie tout le temps le sens, mais qui me reviendra peut-être au cours de la partie. Donc voilà. Donc on a 10 General Maid sur le terrain, voilà, et il nous reste un type de carte, c'est un peu des events, c'est les réminiscences. Donc il y a les réminiscences 1 et les réminiscences 2, sachant que les réminiscences 1 sont mis au-dessus, donc c'est les premières qui vous arriveront. Et dessus vous avez donc les Victory Points, et dans un petit encadré jaune, les conditions pour récupérer la carte. Voilà. Et ensuite vous avez l'effet. Oui, forcément. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais vous pouvez également avoir des effets sur certaines General Maid, par exemple. Et sur la Maid Chief ici. Donc voilà. Donc un deck pour commencer, c'est constitué de 7 cartes amour, One Love, et 3 cartes. Béatrice et Scudo, donc Maid Chief comme ça. Donc je ne l'ai pas dit également, mais sur les cartes Love, vous avez le coût pour en récupérer d'autres, puisque c'est un deck building game, donc forcément, il faut payer des coûts pour récupérer d'autres coûts. Enfin, d'autres cartes pour payer les coûts. Donc les 1 Love sont à un coût de 1, les 2 Love à un coût de 4, et les 3 Love à un coût de 7. Donc voilà. Donc je vais vous laisser un petit moment regarder tout ça. Et on se retrouve pour une partie. Alors, au niveau de la carte de l'icône manquant, c'était l'emploi, mais ça, on verra ça juste après. Donc, on va commencer un peu à regarder comment se passe une partie. Donc, je rappelle, vous avez un deck composé de 10 cartes, 7 One Love, 3 Béatrice. Et donc, on va commencer par piocher 5 cartes. Hop, 3, 4... et 5. Je vous montre ma main pour l'exemple. Donc j'ai 4 cartes Love et une Béatrice. Donc maintenant on va y avoir la phase, normalement, première phase c'est la starting phase. Pas se mentir, normalement cette phase on la saute quasiment, puisque elle va demander, ça va être certaines cartes qui vont demander cette phase pour activer leurs effets. Voilà. Donc ensuite, après cette phase là, on va avoir la serving phase, donc qui va correspondre si on veut jouer une maid ici dans notre ville.
qui pourrait par exemple nous donner plus de love supplémentaire ou comment ou piocher une carte, ce genre de choses. Voilà. Donc celle-ci actuellement Béatrice ne me permet pas de faire grand chose d'intéressant. Je saute donc la phase de service. Je vais passer donc à la troisième phase qui est la phase d'emploi. Donc là où je vais pouvoir je vais revenir juste avant quand même sur la phase de service. Vous pouvez jouer qu'une maid. Vous pouvez vous faire servir que par une maid pendant le tour là, sauf si vous avez un symbole d'extra service sur la maid que vous jouez. Voilà. Derrière ça, du coup il y a la phase d'emploi où là vous allez pouvoir employer qu'une seule maid, sauf si vous aviez le symbole d'emploi supplémentaire. Vous allez avoir des loves supplémentaires. Voilà. Donc pas mal de petites choses qui vont pouvoir vous filer un coup de main. Donc moi j'ai 4 love, donc je peux prendre un petit peu ce que je veux sur le terrain. Donc je peux prendre une maid ou je peux prendre toutes les maids qui sont là. Tac, qui montent à 4, je peux prendre une Béatrice et je peux prendre 2 love. Compliqué. Eh bah écoutez, on va donc défausser 2 love et on va prendre une hyacinthe. Donc quand on les emploie, elles viennent directement dans la défausse qui se trouve juste à côté du deck. Donc logiquement j'ai qu'une seule phase, j'ai qu'une seule emploi, du coup, poup. Et voilà. Ensuite vient la dernière phase qui est la discard phase. Donc je défausse tout ma main ici et je repioche 5 cartes. Et 5. Donc là c'est à votre tour, tout ça. Je vais regarder. Top. 3. 4. Et 5. Vous avez 3 love et 2 Béatrice. Attendez, on va dire que vous allez prendre pour 3 love. Vous allez prendre une Evilla, c'est ça. Donc hop là. Tac, pour 3 love. Prenez une Evilla. Donc ensuite, discard phase. Et repioche 5. Toup. Donc ensuite à moi. Donc pareil, j'ai 3 love et. Et des Béatrice, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais prendre une. Je vais défausser 3. Et je vais prendre une Margarita. Margarita. Et ensuite, donc je défausse. Voilà. Donc là, tchoup. Si je shuffle. Poup. Vu que mon deck est vide et que je dois repiocher, c'est uniquement au moment de la où vous devez piocher que vous devez mélanger. Et du coup, je peux à nouveau piocher 5 cartes. 3, 4 et 5. Donc là, c'est à vous. Mettons que. Allez hop, vous allez défausser 4 love pour prendre 2 love. Hop là, donc pareil, rebelote. Et 5 cartes. 5. Voilà. Donc à moi. Donc donc mettons que je joue une hyacinthe pour me servir. Donc j'ai un bonus de 1 love supplémentaire. Sachant que j'ai 3 love en main, c'est-à-dire que je peux embaucher quelque chose pour 4. Donc, mettons, je vais prendre de love. De love, et du coup, discard phase, tout ce que j'avais là est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, parfait.
Donc c'est à vous. Poupoup. Donc il y avait quoi? Il y avait 3 Love et 2 Béatrice. Allez, vous allez me prendre une Evila. Choup. Discard phase. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à moi. Alors, j'ai 4 Love et une Béatrice. Bien, j'ai pas vu. Il y a un petit truc que j'ai pas. En fait, il me rapporte rien. Pour 3 love. Allez, pour 4. Je prends 1 de love. Et donc, discard. Je poche 2, vu que j'ai pas suffisamment. Je shuffle. Choup. 3, 4, 5. C'est à vous. Donc, je vais refaire un tour comme ça et puis après je m'arrêterai. Donc là vous avez 1 de love. Vous avez 4 love, 5 love au total. Pour 5 love. Elle fait quoi celle-ci? Ok. Celle-ci elle a un effet vachement long. Ok. Donc le jeu c'est de regarder un peu les effets des différentes cartes à employer. Et voilà. Alors, allez, vous allez me prendre une Margarita pour 3. Choup. Hop là, toup. Donc, à moi. J'ai 2 love, 2 Béatrice et une Margarita. Eh ben, on va jouer Margarita. Ça me permet de piocher une carte, d'avoir... de jouer une autre carte si j'en ai envie, de jouer une autre maid si j'en ai envie. En l'occurrence, non. Et j'ai un love supplémentaire. Voilà. Bah mettons pour 4 love du coup. 4 love, je vais prendre une Leria. Un Alagashi. Voilà. Et donc 10 cartes. Discard, je draw 5, top. Alors, bon, on va pas tourner en rond comme ça parce que les parties sont plutôt longues, pas le cacher. Donc la partie s'arrête quand deux piles sont vides. Donc mettons une pile là et je sais pas celle-ci. Voilà. Donc voilà, ça va être on a deux piles de vide. Du coup, la partie s'arrête. Il va falloir maintenant compter le nombre de points. Donc pour compter le nombre de points, vous prenez les cartes de votre main, de votre deck, et vous regardez dans l'angle où il y a écrit les VP. Donc en l'occurrence, juste ici. Donc c'est l'angle supérieur droit. Alors je regarde, alors j'en ai une qui a un point d'interrogation qui me dit si j'en ai, c'est Hyacinthe, si j'ai deux Hyacinthes dans mes quartiers privés, je peux
Je gagne 2 points par chaque, c'est ça? Donc voilà. Tout peut. Ici, chaque Béatrice dans l'espace privé rapporte 2 points aussi. Là, si j'ai employé 3 Margaretha ou plus, je perds un point. Voilà, donc actuellement je suis à 0. Normalement vous êtes à 0 aussi. Donc là, par exemple, normalement, les parties sont beaucoup plus longues. Il y a l'histoire de. Par exemple, si j'avais eu. Vu que. Il y en a une qui donne plus 2 en service. Ouais. Mettons. Mettons que j'ai une chlorine ici dans ma main. Top, je la joue. J'ai 2 services. Donc là, je vais jouer par exemple ma. Elle est où? Ma hyacinthe. Tac, il me reste un service. Et là, je peux faire un truc qu'on appelle la mettre dans mes quartiers privés. Donc la chambermaid. Donc je la mets sur le côté. Je la mets sur le côté et à la discard pile, ben, elle va rester sur le terrain. Voilà. Et donc à la fin, c'est là que ça va rapporter des bonus, cette zone un peu particulière. Voilà, j'ai pas pu le faire parce que bon, je voulais pas non plus que la vidéo dure 107 ans. Tout simplement parce que le jeu peut être relativement long. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo de 60 minutes sur du Tanto Kuore, sachant que c'est un deck building game de basique. Donc vous accumulez les cartes, vous essayez de faire des combos avec. Et derrière, vous essayez de ramasser le plus de victory points pour gagner la partie et devenir. Ils appellent ça comment eux? Le chef, le. Le. Mince. Ah. Ils appellent ça le général des maids ou je sais plus. Non, le maître parfait, voilà, le perfect master. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, hein. Il y en aura, j'en ferai pas d'autres, je pense, sur des. Sauf si j'arrive à mettre la main sur le deck building game de Bushiroad qui sort en juillet, mais bon, c'est pas sûr que je le prenne. Donc je ferai peut-être pas d'autres vidéos sur du deck building game parce que c'est relativement lourd. Sauf si j'en trouve des sympathiques à côté. Et que bah là, mis à part que c'est un jeu de pervers, tout simplement, j'avais pu essayer il y a 3 ans maintenant. C'était juste l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, bah comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu vers le haut. À partager la vidéo si ça vous a plu et à partager ma chaîne aussi parce que c'est cool de me faire connaître. Et voilà. Allez, sur ce, je vous dis à ciao, à plus et à bientôt sur ma chaîne.